C'est vrai, je me souviens. Exactement. Merci. Donc, bonsoir à tous et bienvenue pour cette présentation. Moi, je vais vous parler d'Apache Jenkins. C'est un outil que j'ai eu l'occasion d'utiliser lors d'une mission précédente et je trouvais ça assez pratique dans ce contexte-là. Et je me suis dit que ce serait sympa de le partager avec vous. Rapidement, sur qui je suis. Moi, je m'appelle Saad Ansari. Je suis développeur indépendant. Et donc, j'ai travaillé sur une mission où on faisait de l'analyse de données, c'est-à-dire que j'étais dans un contexte où la société avait plusieurs applications qui généraient énormément de données, des données techniques, des données métiers, des logs. Et le chef de projet avec qui on travaillait s'est dit que ces données-là, ce serait bien de pouvoir les valoriser, de pouvoir les analyser et puis les trier un petit peu pour pouvoir justement essayer d'en tirer un peu plus de valeur. Donc au début, une équipe qui aime les défis, on lui a dit « montre-nous à quoi ressemblent tes données » et puis ça ressemblait un peu à ça. On s'est retrouvé un peu perplexe devant tout un tas de données qui n'étaient pas triées, qui c'était le gros bordel. Et le manager il nous disait que si on ne verrait pas comme ça, mais ces données-là, je suis sûr qu'elles ont de la valeur. Il suffit de les trier un petit peu. Donc oui, il a bien dit, il suffit d'eux. Nous, au début, on était un peu étonnés d'avoir tout ce tas de données, sachant que plus on parlait, plus les données grossissaient. On était vraiment dans le cadre des gros volumes de données, ce qu'on entend, on appelle ça souvent le big data. Donc après, ce qui nous a rassurés, c'est qu'on fait partie d'une communauté, à laquelle vous aussi vous appartenez, qui est la communauté des développeurs, et qui a proposé un certain nombre de méthodes et d'outils pour analyser les données. Donc là, l'objectif, en gros, c'est de trouver un outil qui permet d'intégrer les données, c'est-à-dire de pouvoir les récupérer de diverses sources qui sont hétérogènes, de pouvoir les analyser, c'est-à-dire les filtrer, les transformer, ne garder que ce qui nous intéresse, pour derrière les visualiser, c'est-à-dire les rendre à l'utilisateur de façon simple et compréhensible, les utilisateurs qui soient techniques ou non techniques, parce que en tant que développeur, on a tendance à oublier, mais les gens non techniques existent aussi, c'est bien les gens. Pour ça, il y a plusieurs formats qui existent, notamment le format notebook. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une révolution dans l'informatique, c'est quelque chose qui existe déjà. On peut citer notamment le ePython Notebook, le notebook Jupyter, parmi les plus connus. Et moi, je vais vous présenter le notebook d'Apache Zeppelin. Donc le plus simple, moi, c'est vous faire une démo. Donc je vous ai préparé un jeu de données qui est ici, c'est des données qui viennent de l'open data de la RATP. Hop, si je vais appuyer. Bon, globalement, ce fichier-là, l'idée c'est d'analyser le trafic sur les lignes de métro sur le réseau RATP sur l'année 2014. Donc les données sont assez simples. On a le type de réseau sur lequel on se trouve, donc le réseau métro ou RER, le type de station. On a le trafic sur la station, les correspondances, la ville où se situe la station, et puis l'arrondissement lorsqu'on est sur Paris. Donc l'objectif ici, c'est essayer de vous le présenter sur Zeppelin. Hop. Donc Zeppelin, ça va ressembler un peu à ça. Voilà, donc le...
Donc là, je vais juste afficher le tableau. Et là, c'est le fichier que je vous ai montré qui est chargé en mémoire dans Spark et qui est disponible sous forme de colonnes que je vais pouvoir requêter, assez simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est rechercher quelles sont les stations les plus fréquentées. Donc ça, c'est le classement. Il y en a un peu trop, donc je vais mettre une limite dessus. Hop. Et j'exécute. Et j'ai les 10 stations les plus fréquentées sur Paris, qui sont disponibles. Donc il y a les histogrammes qui sont disponibles sur Zeppelin, il y a aussi les camemberts. Vous pouvez aussi afficher des timelines lorsque vous gérez du temps. Un autre élément important de Zeppelin, c'est la notion de formulaire. Par exemple, si vous voulez appeler sur différentes villes sur ce fichier-là, vous pouvez le faire soit dans votre quête, soit créer des champs texte. Donc là, j'ai mis sur Paris, mais si on peut également chercher par exemple sur Saint-Denis, et ça va m'afficher les données pour la ville. Donc il y a les champs texte, mais il y a aussi les combo box, les listes des rangs, qui fonctionnent un peu sur le même principe. Vous allez pouvoir ici, par exemple, choisir sur quel réseau est-ce que vous voulez travailler, et Zeppelin derrière va exécuter la requête qui correspond au réseau. Un point qui est aussi intéressant, c'est que côté client, Zeppelin permet de faire des regroupements. Par exemple, si je cherche le trafic sur Paris, donc ça c'est l'ensemble du trafic sur Paris, je sais que sur Paris il y a les métros et il y a les RER. Donc si sur le même graphique je veux avoir et le trafic séparé entre métro et les RER, Zeppelin me propose une fonctionnalité qui me permet de faire des regroupements, donc qui est ici. Donc vous allez sur les settings, et ici vous avez l'ensemble des champs qui sont disponibles. Les keys correspondent au X, et les values correspondent au Y. Et ici, par un drag and drop, je prends le réseau, et hop, ça m'affiche le trafic séparé entre le RER qui est ici, et les métros qui sont là. Quelque chose qui est assez pratique sur Zeppelin, c'est le travail collaboratif. Donc ce qu'on peut faire, c'est, on peut l'afficher sur un format qui est le format report, qui est ici, et ça enlève tout ce qui est gestion du code, qui est un peu une pollution pour ceux qui sont pas intéressés par le code. Ça c'est quelque chose qui est faisable, parce que Zeppelin est accessible via une URL, le fichier est disponible sous forme de format JSON qui est disponible sur le serveur, mais c'est quelque chose que je vous déconseille de faire quand même, parce que... en se baladant un peu, on peut cliquer partout. C'est vrai que c'est quelque chose qui est tentant. Mais il y a une autre fonctionnalité qui est un peu plus intéressante, c'est de pouvoir en faire un paragraphe et d'exporter uniquement les résultats. Ici. Et là, ça m'exporte les résultats que je vais pouvoir également retravailler. Donc c'est quelque chose qui est intéressant parce que vous pouvez derrière créer vos propres reports sous forme de page HTML ou de report web dans lequel vous intégrez ces données-là. Et une des fonctionnalités qui est intéressante et sur laquelle on travaillait, c'est il est possible de croner ce report. Donc imaginons que tous les jours vous souhaitiez générer ce report-là, vous rentrez votre expression cron ici et disons que pendant la nuit, ça va générer les reports de la veille, ça va mettre à jour le report sur la page HTML, et le matin, on aura juste à consulter les données pour avoir les reports à jour avec les nouvelles informations qui seront mises à jour par Zeppelin. Donc voilà pour une brève introduction à Zeppelin. Il y a plein d'éléments qui sont intéressants à voir sur la notion d'interpréteur. On peut créer des interpréteurs qui sont custom. J'espère que ça vous a donné envie de fouiller un peu plus. En tout cas, nous, on l'a utilisé avec beaucoup de plaisir et puis on espère continuer à l'utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Question bateau, est-ce qu'il y a des API pour pouvoir un peu tous les objets qui sont dans Zeppelin. Alors si on veut au-dessus de Zeppelin faire une application, utiliser Zeppelin comme un backend par exemple.
Est-ce qu'on peut utiliser Zeppelin comme un back-end? C'est-à-dire s'il y a des applis. Est-ce qu'il y a une API pour pouvoir récupérer les sections, les reports, les paragraphes? Bah, en fait, pour récupérer les reports, le plus simple, c'est de faire ce que je t'ai montré ici pour la récupération des données. Donc, tu peux récupérer juste ton diagramme avec cette URL-là, que tu peux partager directement avec la personne avec qui tu souhaites la partager. Et si tu souhaites le faire d'un point de vue un peu plus technique, c'est-à-dire partager le code, tu peux partager directement l'URL de Zeppelin qui sera disponible, que tu pourras partager avec les autres développeurs. Donc il n'y a pas d'API Pas au-dessus, mais après, par contre, je ne sais pas si ça va répondre à tes questions, il y a la notion d'interpréteur qu'on peut voir ici, si on le voit. Voilà, ça c'est tous les interpréteurs qui sont disponibles. Donc tu peux faire du Spark, du MD, du Angular. Et il y a du Cassandra également, du PLSQL. Donc tu vas pouvoir, à partir de Zeppelin, appeler d'autres systèmes. Nous, on l'a utilisé essentiellement avec Spark, parce que c'était la stack technique sur laquelle on était. Mais c'est également possible de le mettre sur d'autres backends. Et si il n'est pas possible, l'avantage de Zeppelin, c'est que c'est un projet incubé et open source. Donc tu vas pouvoir aussi développer ton propre interpréteur. Est-ce qu'il y a le support des utilisateurs là-dessus? Non, ça fait partie aujourd'hui des défauts de Zeppelin, moi je dirais. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les droits d'accès et la gestion des profils dessus. Globalement, Zeppelin, ce n'est pas encore une solution de dashboarding à proprement parler, comme Kibana ou Grafana. Moi, je le vois vraiment un peu plus comme un notepad plus du big data. C'est-à-dire que ça permet aux développeurs de rapidement mettre en forme les données et les partager. Maintenant, pour des solutions dashboarding avec la gestion des profils, c'est vrai que c'est un manque. C'est un manque qu'on a nous-mêmes, nous avons ressenti. Et j'espère que c'est quelque chose qui va arriver parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Ma question était un peu liée en fait à cette notion de dashboarding. C'est là on a des données qui sont quand même assez brutes de fonderie, assez techniques. Si on veut les rendre exploitables par des non-techniciens avec de la documentation, des IRNS, etc., est-ce qu'on a la capacité d'enrichir un peu ces exports? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu des liens, mais est-ce qu'on peut faire des choses statiques qui sont complétées peut-être et alimentées par d'autres choses? Alors la question c'est est-ce qu'on peut rendre les exports un peu plus user-friendly? C'est un peu ça. Oui, mais là-dessus, ça va demander un peu plus de travail. Effectivement, Zeppelin permet, par exemple, d'exporter un report, mais on va pouvoir, derrière, si tu veux l'enrichir, tu peux intégrer ça, cette frame, dans ta propre page HTML, que tu as enrichi de tes propres informations. Donc l'interactivité viendra de là, et derrière, tu vas pouvoir intégrer ce cadre-là dans une autre page, et, dans laquelle tu mettras les informations qui seront le plus à même dans le contexte dans lequel tu es. Il y a d'autres questions? Est-ce que c'est un petit peu la même question? Est-ce qu'on peut éditer les données qui vont être affichées à la fin? Par exemple, si là on a une base qui est propre, RER c'est écrit proprement, si on a trois fois le mot RER, des fois avec un accent, des fois avec un espace, des fois en minuscule, est-ce qu'on peut fusionner tout ça sans que ce soit dans la requête forcément, mais trouver un moyen pour éditer la data? Alors la question c'est est-ce qu'on peut. Comment se passe le pré-processing ou le nettoyage des données? Donc ça, globalement, c'est une des problématiques très récurrentes dans le domaine du big data. C'est-à-dire que un des chantiers les plus importants, ça va être la préparation de tes données. Et effectivement, on peut se retrouver dans ce type de cas. Et pour effectuer ça, généralement, ça va se faire sur la première phase, c'est-à-dire le premier paragraphe, qui est le paragraphe de préparation de tes données. Là, tu vas essayer de prendre en compte les différents cas que tu as. Donc là, sur Spark, ça va être la syntaxe Spark dans laquelle tu vas faire ton nettoyage de données avant la création de l'enregistrement. C'est-à-dire que l'enregistrement, il se fait ici, quand tu l'enregistres ici en tant que table, et ici, c'est le pré-traitement. Donc là, c'est un CSV simple, j'ai fait un split sur le point virgule et je crée mes objets. Si toi, tu as un autre processing à rajouter, notamment sur les RER ou des orthographes, les accents, ça va être, à mon avis, ici. Plutôt que de traiter dans les données, autant faire le nettoyage. Le plus tôt tu fais le nettoyage, le mieux ce sera pour l'utilisation de tes données derrière. Ouais. Tu en as un petit peu parlé. C'est quoi les principales différences avec Kibana, par exemple,
C'est parce que là tu peux te connecter sur pas mal de sources de données, puis là c'est uniquement Elasticsearch, il y a d'autres différences. Alors la principale différence avec Kibana, alors Kibana ça a été fait comme solution de dashboarding adossée à Elasticsearch. Donc c'est Elastic, c'est la compagnie Elasticsearch qui a récupéré Kibana. Donc c'est un format qui est quand même très spécifique là-dessus. L'avantage des Zeppelin, c'est que tu vas pouvoir taper sur plusieurs sources de données différentes. Donc tu as les interpréteurs qui sont Spark et l'interpréteur Kibana. Donc tu peux, en fonction de tes paragraphes, enregistrer et du Spark et du Kibana. Et derrière, pouvoir éventuellement penser à faire des jointures entre deux sources de données qui n'étaient pas faites pour avoir des jointures. Donc ça, c'est le principal avantage que je vois là-dessus. L'inconvénient, c'est que Kibana, on sent quand même c'est une solution de dashboarding qui est éprouvée, qui a vraiment été faite pour ça, qui prend en compte beaucoup plus de paramètres, de la gestion des profils des utilisateurs, la gestion des timestamps est mieux gérée sur Kibana. Mais bon, la communauté Zeppelin est quand même assez active, ça va assez vite. Il y a beaucoup d'interpréteurs qui arrivent au fur et à mesure, en espérant qu'ils vont régler ce problème de profiling assez rapidement. Dernière question. Est-ce que c'est possible d'utiliser des données plutôt en mode graphe plutôt que des tableaux? Est-ce que c'est possible de visualiser les données plutôt en mode graphe Néo4j, en mode graphe. C'est-à-dire que pas une visualisation de type comme avec ça avec des nœuds et des liens. Ah oui, non, là aujourd'hui c'est pas possible sur Zeppelin. C'est aussi un des inconvénients de Zeppelin, c'est que les graphiques sont assez basiques, assez rudimentaires. On voit l'essentiel, donc on a les histogrammes. Le point de départ en fait de tout ça, c'est d'avoir les données sous forme de tableau. À partir du moment où on a le tableau, on va pouvoir gérer les histogrammes et les camemberts. Pour avoir des graphes un peu plus complexes, même les maps, les géomaps, c'est pas encore au point. C'est vraiment des graphes qui sont basiques. Donc c'est pour ça que moi on l'utilisait beaucoup plus comme vraiment le Notepad++ du Big Data. On fait des analyses assez basiques et puis derrière on les partage à qui ça intéresse. Maintenant pour avoir des graphes un peu plus complexes, j'imagine que ça peut être pris en compte. Il faut savoir que la surcouche c'est du NVD3.js, donc une surcouche de D3.js. Donc comme c'est open source, c'est moyen de bidouiller un peu là-dessus. Merci à vous.